Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo HDV9 avec une superbe composition qui en 3 JDC que j'ai vu de mes yeux. Elle a fait plus de 25 perfects sur des villages HDV9 full max, complètement différents en termes de design et en total plus de 300 perfect en 2 mois d'utilisation par les joueurs. Monstrueuse composition que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il va vous falloir quoi, 1, 2, 3 entraînements et vous allez pouvoir la maîtriser. Là vous êtes en train de voir 3 gameplays qui passent en accéléré et je vais vous présenter en détail 6 gameplays pour voir comment utiliser cette composition, maîtriser cette composition qui n'est pas très difficile, qui n'est pas facile non plus, hein, mais qui est vraiment accessible à tout joueur, qui s'applique. Voilà, on n'a pas besoin d'un skill énorme, un petit peu, mais en tout cas, je pense qu'elle est vraiment adaptée à tout HDV9 qui est capable de se concentrer pour réussir ses attaques en s'appliquant le mieux possible. Voilà, là vous êtes en train de voir maintenant les 6 villages qui vont être attaqués avec cette même composition que vous êtes en train de voir. Vous avez remarqué qu'il y a 4 guérisseuses, donc c'est une type compo qui va commencer avec une bonne phase d'AQH au Queen Walk pour nettoyer un maximum de bâtiments, suivi par un commando de bouliste, un golem, le roi, pour rentrer à l'intérieur du village, traverser. Vous allez voir le pourcentage d'AP1, il est juste monstrueux avec cette compo. Et troisième phase d'attaque, ça sera le dépôt du seul et unique molos de cette composition et les dizaines de ballons que vous avez. C'est un régal pour les yeux, c'est un régal en JDC. Vous allez voir ça en détail, c'est parti pour les gameplay. Voilà, c'est parti avec la première attaque avec le joueur spécial olympique. On est chez le clan Vox Antica. Je remercie le clan et les joueurs et Dark Moustache qui m'a partagé ces gameplays. Donc je le remercie infiniment. Nous avons donc cette attaque qui commence par une P1 qui est l'AQH ou le Queen Walk. Le but d'un Queen Walk, c'est d'éliminer le maximum de bâtiments défensifs. On ne cible pas les bâtiments non défensifs avec un Queen Walk, ce serait vraiment du gâchis. On peut orienter l'arène soit vers le haut, soit vers le bas en fonction de ce que vous voulez faire comme attaque. Là, elle va plutôt aller vers le sud du village. Il envoie le golem qui va tanker, les sapeurs pour ouvrir évidemment une brèche au niveau des murs. Un peu plus haut, il a envoyé les archers plus le sorcier pour déblayer, pour obliger donc cette deuxième phase, donc P2, obliger le roi, le golem et les bouillistes de rentrer à l'intérieur du village. Regardez, là, il va aller chercher les 2 antériennes puisque la troisième phase comprendra un molos et les ballons, donc il faut absolument éliminer le maximum d'anti-aériennes. Voilà qui est fait avec les boulistes et le roi qui sont entrés à l'intérieur du village. Nous avons ici la reine qui est toujours en bas, qui avance doucement mais sûrement. Regardez le nombre de bâtiments défensifs qu'elle va faire tomber vers le haut. Voilà, elle utilise un sort de saut, un sort de soin, pardon, sur les boulistes et le roi qui était vraiment bien positionné. Il reste que 2 antiaériennes. Regardez en bas, il a ouvert une brèche avec les sapeurs pour faire rentrer la reine et chercher l'avant-dernière antiaérienne. Voilà qui vient de tomber vers le haut. La dernière antiaérienne va tomber grâce au bouliste. Et l'on voit le molos qui va monopoliser le Tesla Farm, comme vous allez voir. Et tout autour, il envoie les ballons un par un, légèrement espacés, pas trop proches, pas trop loin. Ils vont finir par se regrouper sur le Tesla Farm. Et ça va donc nous donner un 3 étoiles efficaces. Je sais pas si vous avez vu, mais la P1, elle a fait plus de 50% de destruction sur ce HDV 9 qui est full maxé. Énorme compo. Et vous allez voir que cette compo est vraiment adaptable à quasiment n'importe quel design de village HDV 9. Du moment qu'on respecte les 3 règles ou les 3 phases de l'attaque. L'AQH, déblayer un maximum. Deuxièmement, on envoie golem plus bouliste et roi pour faire entrer. Et troisièmement, on envoie le molos. Là, nous avons notre attaque. Toujours, regardez la QH pour aller chercher une antiaérienne, les bâtiments défensifs, le roi qui va pas tenir longtemps, qui va tomber. Il envoie les sapeurs pour ouvrir une brèche. Château de clan déclenché, obligé d'enrager puisque le roi fait quand même beaucoup de dégâts. Vers le haut, il envoie les serviteurs. C'est très bien joué puisqu'il n'y avait pas beaucoup de bâtiments défensifs. Un Tesla qui était caché. En bas, la reine, elle est monopolisée par les roquets de lave. Et il enchaîne avec la deuxième phase. Là, regardez, et on voit le golem sur deux sauts, proche de la reine. Rappelez-vous, la reine attire vos troupes. Donc, le golem, le roi
et les boulistes rentrent à l'intérieur du village. Bien qu'il ait perdu, ici il s'envoie assez rapidement, mais il a fait le travail d'éliminer la reine. Il envoie le Molosse sur la dernière antérienne. Et les sapeurs, regardez bien, toujours il y a 9 sapeurs pour ouvrir une première brèche. Et ensuite une deuxième brèche un peu plus loin pour faire rentrer la reine éventuellement. Et voilà, deuxième perfect du joueur pro COC France. Énorme, énorme cette compo. On va voir encore un autre design anti 3 étoiles. On est vraiment sur des HDV 9 qui sont full maxé, full maxé avec les héros level 30. Encore une fois, on commence par la QH avec la reine. Là, il est sur le côté sud. On ouvre une brèche. Donc, le but est de faire rentrer la reine. Pourquoi ? Pour aller chercher les deux antériennes qui sont côte à côte. Donc voilà, il temporise, il déblaye un petit peu les bâtiments avec les archers et les serviteurs sur la gauche de l'écran. Sur la droite, il fait de même. Il envoie ensuite le golem pour tanker, les sorciers pour déblayer, le roi, le sort de saut, plus les boulistes. Ils vont rentrer puisqu'il y a le roi adverse, donc ça va atterrir les troupes, ça va rentrer à l'intérieur, sort de soin bien positionné. Antérienne, troisième, elle va tomber, la reine. Également, regardez, sort de poison sur le château de clan puisqu'il y avait un bébé drag. Et on envoie le Molosse très loin pour monopoliser un maximum de bâtiments. Les ballons par groupe de deux cette fois-ci. Et voilà, troisième phase, redoutable, efficace. Et 3 étoiles, encore une fois, avec cette compo. Honnêtement, c'est une compo très, très destructrice. Et vous avez vu, là, on est sur 3 designs différents. Et c'est pas fini puisqu'on va avoir 3 autres designs de HDV9, toujours et toujours en GDC, toujours chez Vox Antica et toujours sur des HDV9 Full Max Hero 30. Voilà, là, la QH a été déposée, elle va, la reine, donc elle a envoyé un petit serviteur pour aider un petit peu la reine, comme vous pouvez le voir, la reine donc qui va éliminer le sort de poison jeté juste avant que le Molosse ne pop, donc c'était vachement bien joué de sa part. Donc la reine là, elle va aller plutôt vers le sud du village. Regardez, il temporise encore. Et ensuite, il envoie le golem avec le roi, les boulistes, le sort de saut. Est-ce qu'il en a? Voilà, il vient de le déposer. Il enrage puisqu'il y avait le roi. Ça va rentrer à l'intérieur du village. Pour l'instant, il n'y a que le roi qui est rentré avec le golem. C'est pas grave, le golem va tanker sur le sud. Nous avons un bébé drag qui va déblayer un maximum avec l'aide des boulistes. La reine à l'intérieur, le roi, le golem. Donc avec les guérisseuses, la reine est protégée. Voilà, il reste une seule antérienne. On envoie le Molosse avec les groupes de ballons par deux ou par un légèrement espacés. Tout le monde va se retrouver vers le nord du village. Et voilà, encore une fois, un très joli perfect avec cette composition. Vraiment, vraiment, vraiment très, très redoutable. Vous avez vu, quel que soit le design du village. Encore deux derniers gameplays. On va accélérer, on va finir. Voilà, vraiment, je voulais vous mettre voilà, 6 gameplays histoire de vous montrer un petit peu que, quel que soit le village, le design, voilà, nous avons encore une fois ici un design anti 3 étoiles assez particulier, très. Avec quelques compartiments un petit peu grands et d'autres un petit peu plus petits. Est-ce qu'un Gobaok passerait? Est-ce qu'un Gohok passerait? Est-ce qu'un Gobu Mobile passerait? On ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, avec la cage, on est sur du one shot aussi. Hein. Donc là, la QH fonctionne super bien. Regardez là, il a ouvert. Il a voulu ouvrir une brèche, mais ça n'a pas marché puisque les sapeurs ont été tués par l'arc X. C'est pas grave, la reine va tourner. Regardez le nombre de bâtiments défensifs qu'elle va faire tomber. Deux arcs X, des canons, des mortiers qui vont tomber. La Tesla énorme. Et vers le haut, il envoie le roi plus les boulistes et le golem avec le sort de saut. Voilà, ils vont rentrer à l'intérieur du village. Ça va traverser le village. Regardez, on est à 50%, rien qu'avec la P1 et la P2. Et l'on voit en support un ballon, mais qui explose à cause de la bombe. Là, il reste 3 antiaériennes. On peut dire, voilà, oh c'est mort, parce qu'il reste quand même 3 antiaériennes. Énorme. Mais vous allez voir que ça va passer. Effectivement, le rocket de lave a pop. Les ballons prennent cher un petit peu. Mais, regardez, ça va quand même bien se finir, puisqu'il reste quand même la QH, le roi qui est debout, et avec également des ballistes. Donc regardez, sur un design qui n'était pas facile, ça tombe et 3 étoiles. Superbe attaque. Et on va finir avec ce dernier gameplay. Et encore une fois, un design assez particulier. Et vous allez voir comment ça va traverser le village. Honnêtement, très belle attaque celle-ci, j'adore. De Pac-Man.
Donc il commence à la QH. Côté reine adverse, une antérienne qui tombe, la reine adverse qui tombe, et il ouvre une brèche, il va faire entrer la reine à l'intérieur du village. Vous allez voir un AQH sublime. Sublime. Voilà, les sapeurs encore envoyés pour ouvrir des brèches un peu partout, mais en fait ils se sont fait éliminer par le canon et le mortier. Il temporise. Il temporise pour l'instant, il n'envoie toujours pas sa P2. La reine du coup, elle va ressortir, elle va aller à l'extérieur. Bah, tant mieux, puisqu'elle va aller chercher une deuxième antérienne. Et vers le bas, regardez, et l'on voit le roi et les boulistes pour monter. Donc voilà, en fait, de la phase 2, il faut la choisir en fonction des bâtiments défensifs restants. De la concentration, plus ils sont nombreux dans un compartiment, deux compartiments assez proches, mieux vont envoyer votre golem pour tanker avec les boulistes pour éliminer rapidement. Voilà, j'espère que cette composition vous plaît, que ça vous donnera de l'utiliser en GDC. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, me dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous voulez l'utiliser, est-ce que comment il vous paraît, bien, pas bien, enfin en tout cas tout commentaire est bienvenu du moment qu'il est argumenté. Voilà, que là on peut en discuter. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à, encore une fois, laisser vos commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Voilà, ça me permet d'être référencé, de partager dans vos réseaux. Et je vous dis, moi, à très, très bientôt pour une autre vidéo avec une autre compo qui est aussi redoutable. Mais celle-ci est vraiment formidable. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.